pourquoi t'es-tu inscrite à la journée porte ouverte aujourd'hui? Je me suis inscrite pour faire visiter mon fils. Donc c'est pour en faire profiter mes proches, mes enfants surtout, et leur faire visiter Figeac Aéro, leur faire découvrir mon entreprise, mon lieu de travail. Alors je me suis inscrite parce que je voulais découvrir davantage les usines et aussi les présenter à mes proches, mon copain qui s'est joint à moi pour la journée. C'est important pour toi de présenter Figeac Aéro à tes proches? Oui, ils me le réclament souvent de visiter, et puis comme ça ils voient ce que maman fait au travail. Déjà c'est pour montrer déjà le site sur lequel je travaille, comme plusieurs personnes ici j'imagine. Et puis aussi c'est quand même un centre d'innovation qui est très riche et très intéressant je pense à faire découvrir. Quelles sont les valeurs de Figeac Aéro dans lesquelles tu te reconnais le plus? Alors les valeurs dans lesquelles je me reconnais le plus sont la coopération et l'engagement. Le côté innovation, une société qui cesse de croître. Principalement l'agilité, parce que c'est un petit peu ce qui a fait la force de Figeac Aéro. Je pense que c'est le sens du travail d'équipe, le fait qu'on soit une usine qui reste encore à échelle relativement familiale, on se connaît tous les uns les autres. Un mot pour décrire le cadre de travail ici? Alors le cadre de travail, c'est vrai que c'est une très belle région, c'est surtout pour ça que je suis venue ici m'installer. Et c'est vrai qu'on est quand même dans un bel environnement qui est très naturel. Il est très bon. J'ai l'avantage dans mon métier de parcourir le monde et de visiter beaucoup d'acteurs industriels, aéronautique bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines d'activité. Donc je peux facilement comparer, le cadre est excellent ici. Pourquoi avoir rejoint Figeac Aéro? C'était une société qui était déjà dynamique, en 1999, qui était déjà réputée pour ça. J'ai rejoint Figeac Aéro, à l'époque c'était une entreprise qui a tout juste 100 personnes, et donc c'était une entreprise en plein développement. Et le dynamisme de l'entreprise m'a plu. Quand je suis arrivée dans la région, j'ai eu cette opportunité et je me suis dit c'est une chance de pouvoir intégrer l'entreprise et pouvoir développer mes compétences. Parce que je voulais faire de l'aéro depuis que j'étais toute petite. Et quand je suis arrivée sur la région, Figeac Aéro proposait les contrats en alternance avec la formation. Donc ça a été l'occasion de passer côté aéronautique. On peut dire que cette journée porte ouverte 2023 est une grande réussite. 900 personnes présentes sur le site de 9h à 18h. Merci avant tout aux pilotes qui ont accompagné les familles des salariés, puisque c'était la population qui était invitée à visiter le site et l'entreprise. C'était l'occasion de découvrir et faire connaître nos métiers et les métiers des salariés. Merci aussi à tous ceux qui ont organisé. Et puis c'était aussi l'occasion d'accueillir effectivement des représentants politiques locaux avec M. Maillard et toute la direction mobilisée autour de l'événement.